Blé Poissy Jean-Baptiste. Je suis veuf. J'ai perdu ma femme, ça fait 2 ans. Et quand j'ai rencontré maman Emma, elle m'a montré l'ONG Jardin d'Éden. Et j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Jardin d'Éden, c'est très bon, ça aide beaucoup les gens. Bon, avec l'ONG, l'année dernière, j'ai reçu des dons. Et cette année encore, ils m'ont soutenu. J'ai reçu des dons. Mes enfants aussi en ont eu. Vraiment, je remercie l'ONG et je souhaite que l'année prochaine, l'ONG fasse encore la même chose pour aider un peu les orphelins et les veufs. Que Dieu bénisse Maman Ngom et que Dieu donne longue vie à l'ONG, que les choses aillent mieux. Bonsoir, c'est dame. Moi, c'est Kalou Adik Patricia. J'ai 34 ans, ça fait un an maintenant que j'ai perdu mon père. Depuis l'année passée, depuis le 15 juin 2015, et ça n'a pas été facile. Bon, ça a été pénible vraiment, avec 4 enfants à scolariser, à nourrir, tout et tout. Ça n'a pas été facile. Moi-même, je suis orpheline de père et de mère depuis l'âge de 9 ans. Donc, mon mari était pratiquement tout moi. Et puis, avec les circonstances de la vie, il m'a laissé. Donc, étant dans la tristesse, dans la déception, dans la désolation, c'est là que j'ai croisé une sœur du quartier qui m'a parlé de l'ONG. Et c'est comme ça que je suis venue à l'ONG. J'étais vraiment perdue. Je ne savais pas... En tout cas, je n'avais plus rien, je n'avais plus d'espoir. J'étais vraiment perdue parce que même à la maison... Mes propres parents me minimisaient et puis mes amis dans le quartier m'indexaient, les gens me surnommaient. Donc, ça n'allait pas moralement et puis financièrement. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que depuis l'année passée que je suis rentrée dans cette ONG-là, maman Emma m'a prise sous son aile. Elle m'a parlé de l'ONG, elle m'a emmenée dans les centres de prière, tout et tout. Elle m'a parlé de l'ONG Jardin d'Éden. Elle m'a parlé de Maman Ngom, qu'elle allait venir un jour nous croiser, nous écouter, partager un repas avec nous. Et puis, elle m'a parlé de Dieu. Dieu même, celui-là même qui était mon merveilleux, qui m'a donné aujourd'hui le moral, qui a fait que vraiment, même si financièrement je ne me retrouve pas, mais je rends toujours gloire à Dieu. Parce qu'au quotidien, mes enfants... J'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Je bénis Maman Ngom et Génie aussi parce que l'année passée, on a été témoin de beaucoup de choses. On a eu des vêtements, on a eu la nourriture. En tout cas, je remercie cette ONG-là. L'esprit même qui l'a animé, qui lui a donné la force de créer cette ONG-là. L'esprit de partage même qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en tout cas, étant avec les membres de cette ONG-là, je me sens en famille. C'est pourquoi je lui dis encore merci. Je bénis cette ONG-là. Je lui dis, je ne sais pas comment la remercier, mais je ne peux que la bénir parce qu'à travers elle, Dieu même se manifeste. Et nous qui sommes les veuves mères d'orphelins et nous-mêmes orphelins, nous savons qu'avec elle, nous n'avons pas d'eau au mur. C'est vrai que financièrement, ça ne va pas. Mais côté matériel, côté spirituel, vraiment, cette ONG-là, je veux qu'elle aille jusqu'au bout des temps. Comme son nom le dit, le Jardin d'Éden, nous nous trouvons refuge. Non, je veux que cette ONG-là vive longtemps. Et je veux aussi que Maman Ngom vive longtemps pour qu'elle puisse toujours nous soutenir. Vraiment que Dieu bénisse tout son entourage et elle aussi. Au nom de Jésus, je bénis cette ONG-là et ceux qui y participent. Amen. Bénis Seigneur les opprimés. Pour essuyer les larmes, papa, au Seigneur Jésus-Christ. Pour les veuves, Jésus. C'est toi, tu as béni que je sois veuve en cette année. C'est pour rendre ton grand, papa. C'est l'autorité de Dieu, mes larmes. Tu as l'autorité de prendre charge de mes enfants. Tu as l'autorité de me donner de toi, papa. Je te dis merci parce que mes yeux t'ont vu. Merci parce que ta main qui est sans limite va repositionner encore la gloire sur la vie de tes servants. Et Seigneur, tu vas délaisser aussi sur notre vie. Hosanna toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bon, on va commencer. Thank you.
Bonsoir, chers parents, chères mamans, chers papas, je vous salue dans l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est par l'amour de Jésus que j'ai connu notre maman. Maman Eugénie Gomme, vraiment la princesse de l'Éternel. Vraiment, notre arrivée ici a été vraiment comme une délivrance. Dieu a permis que mes enfants soient épanouis, ses enfants soient heureux. Si le cœur des enfants sont touchés, c'est comme le cœur de Dieu est touché. Vraiment, on a reçu vraiment des cadeaux. Je vais dans les ONG là, mais vraiment pour maman Eugénie Gomme est vraiment mise à part. Donc vraiment, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, Dieu est dedans. Parce que vraiment, l'image de Dieu, c'est l'amour. Il a manifesté l'amour pour les orphelins, pour les veuves, vraiment. Il nous a donné la liberté, franchement. Donc vraiment, les mots me manquent pour lui dire merci. Je lui dis merci, que Jésus-Christ de Nazareth se lève dans son trône. Pour lui dire merci, pour dire merci à tous, vraiment, ses collaborateurs, collaboratrices. Que Dieu vraiment déverse la bénédiction, qu'elle puisse avoir de l'abondance. Parce que la Bible a dit que celui qui se souvient des faibles, Jésus le récompensera. Et il s'est souvenu, il est quitté dans un pays lointain. Et il est venu soutenir les veuves, les orphelins. Vraiment, le cœur de Dieu est touché. Que cette année-là, qu'elle va de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, qu'elle soit intouchable. Toute puissance du ténèbre qui va se lever contre sa vie, et que Dieu même se lève en toute sa colère pour les renverser. Et que Dieu même l'arrose, et que Dieu la élève, qu'elle puisse avoir la sagesse de Salomon, elle puisse avoir la bénédiction de Salomon, elle puisse avoir l'élévation de Salomon, qu'elle puisse avoir encore la gloire de reine Esther, que Dieu la bénisse. Partout elle ira, à cause de ces actes qu'elle vient de poser, que ses pieds la foulent dans les endroits qu'elle n'est jamais partie. Qu'on appelle même, que ça soit même, comme on appelle en Angleterre, que ça soit en Suisse, que ça soit partout. Enfin, que à cause de cet amour que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ a localisé dans son cœur, vraiment ça puisse l'éclater partout. Et que les rois viennent investir sur sa vie. Et que les reines viennent investir sur sa vie. Et que vraiment, que Dieu même se lève en toute sa puissance. Il déclare la bénédiction du ciel à déverser sur sa vie, à bénir sa famille, à bénir tout son entourage, à bénir tous ceux même qui la soutiennent spirituellement, financièrement, moralement. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, il n'y a pas l'autre mot, je ne sais pas. Que j'ai l'émotion, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu glorifie son nom, nuit et jour dans votre vie. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Je suis baroulée. Mon mari s'appelle Yao Kofi Célestin. Donc vraiment, quand il me prenait, j'avais 18 ans, ça me fait... J'ai un peu l'âge avancé, au moins de dire mon âge. Hein? J'ai 39 ans, alléluia. Donc, ça me fait 24 ans de mariage. Et on est dans les épreuves, mais quand même, Jésus est Seigneur. C'est parce que s'il n'y a pas les épreuves, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Donc, Dieu permet les épreuves pour élever son nom. Et c'est comme ça, un matin, c'est maintenant on a eu une petite, je ne sais pas, coin pour commencer l'œuvre. Et c'est comme ça, un dimanche, l'homme de Dieu n'était pas malade. Matin, il était allé se doucher. Moi, je devrais aller me doucher avec lui. Il était pressé. Même le samedi, même, il était allé évangéliser. Donc, quand il était venu, étant fatigué, donc, il faisait nuit, on s'est couché. Très tôt, lui, il dit, n'aime pas les retardateurs parce que il faut craindre Dieu. Toutes les images que nous faisons du bien ou de mauvais, c'est Dieu qui te donne la, comme l'appelle, qui te paye. Donc c'est comme ça, le matin il s'est levé très tôt, 6 heures pour aller se laver.
Et moi, je me suis levé à 6h et dit, je n'aime pas les retardateurs. Parce que mon Dieu est tellement grand. Et toi, tu veux rester dans le retard, là, je ne suis pas avec toi. Donc, quand il a dit ça, là, c'est comme il m'a parlé un peu de choses. Donc, c'est là qu'il est allé se doucher. On a fini, on a commencé le culte. Je me suis habillé, on était en train de faire le culte. Arrivé un bon moment, il dit l'adoration ne monte pas. On fait l'adoration, mais on ne sait pas comment. Il dit l'adoration ne monte pas. La louange ne monte pas. Si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels pour voir les archanges, les chérubins, comment ils louent Dieu, même tu ne dois pas t'azader à s'asseoir. Il y a aussi qui s'asseyent. Il y a aussi qui n'acclament pas. Il y a aussi qui ne produisent pas, qui n'applaudissent pas. Que Dieu, là, si on pouvait le voir, là, on allait voir. Il est tellement grand, il est tellement puissant que vraiment on ne doit pas jouer avec l'adoration de Dieu. Donc c'est comme ça il a dit. Et on était dans l'adoration. Il dit prier, prier, on a prié. Il était, je ne sais pas si on dit derrière la chair ou bien quoi. Et il m'a dit, bon, prenez Esaïe, Ézéchiel, Ézéchiel 37. Donc on n'a pas pu lire. Il était là, donc il priait. Un coup, il dit prier, prier. Moi, j'ai ouvert mes yeux comme c'était mon mari. J'ai mes yeux, il me faisait si. Il me dit, viens et donne-moi à soi. Il dit, il y a quoi? Il dit, calme-toi. Je l'ai fait assis. Je l'ai fait à soi, je ne sais pas. Donc, c'est là que je vais lui dire que, mais pasteur, il y a quoi? Il intercède, mais je n'entends pas ce qu'il dit. Donc, cela était bizarre. Donc, les fidèles ont été trouvés, dit, restons calmes et fermez les yeux, priez. Donc, là, quand il voit que l'homme de Dieu, façon qu'il faisait, là, c'est pas comme ça, il fait d'habitude. Donc, il y a une église, là, ces gens comme anglophones, donc les gens, là, sont beaucoup là-bas, les serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça, je suis allé chercher 3 serviteurs de Dieu. Ils sont venus, franchement, ils ont prié, intercédé, glorifié le nom de Dieu. Et c'est comme ça, mon mari s'est levé. Il a acclamé, il dit le Dieu de grand D, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, qui est comme toi. Il a commencé à glorifier Dieu et il a fait, c'est ainsi que je suis devenu veuve. Donc, je vais dire merci à Dieu quelque part. Si je suis dans cette ONG en cette année, c'est parce que Dieu a vu ma situation. Dieu a suscité des anges pour venir me soutenir. Et c'est comme ça les parents du monsieur m'ont abandonné. Il y a eu beaucoup de choses que je dois garder, sinon c'est pas trop de choses. En Afrique, quand tu perds ton mari, c'est comme c'est toi qui as tué. Le pauvre, je vais le tuer là, c'est pourquoi avec les 5 enfants, j'ai fait quoi? Les enfants, mais il n'y a pas grand même dedans. Donc, c'est comme ça. Vraiment, j'ai imploré Dieu, même pour que les enfants vont à l'école, c'était vraiment difficile. Même les papiers de mariage, ils ont bloqué, alors que le monsieur même n'a pas des biens même. Donc, je ne comprends pas si c'est quoi il veut me faire. Ils m'ont privé de tout, j'ai laissé, pour ne pas que les esprits méchants rentrent pour bloquer la gloire de mes enfants. Donc, je regarde à Jésus, il dit, il est le père des orphelins et le mari des veuves. Donc il m'a dit dans Osée 2, verset 22, qu'il est mon fiancé par fidélité, je compte sur lui. Et c'est comme ça qu'il a éclairé sa lumière sur moi. Et il a permis que la maman, comme on l'appelle, maman Gom et Génie, l'angélique de Jésus-Christ de Nazareth avec ses collaborateurs viennent vraiment à nos secours. Vraiment, je dis merci parce que mes enfants n'ont pas cessé de remercier Dieu. Pas les enfants, là, quand tu fais quelque chose, nous, les femmes, les hommes, là, souvent on est ingrates. Mais la prière des enfants, là, parce que les enfants, là, les péchés, là, c'est moi, Dieu n'a pas encore mis son cachet. Donc, les enfants, fait qu'à chanter, vraiment. Quand ils font ça, mais il y a aussi les jaloux, mais ça les fait mal. Mais il dit, non, ça là, c'est pas comme ils ont voulu être orphelins, mais c'est une manière pour
Dieu va les dire par le canal de notre maman pour leur dire que Dieu, quelque part, il a l'œil sur les vies, il ne les a pas oubliés. Donc, laissez les enfants manifester leur joie. Moi, vraiment, je suis tellement touché. Et j'ai dit merci, que Dieu du ciel bénisse maman, bénisse ses enfants, bénisse son foyer, lui donne la longévité et pactée, lui donne vraiment toute la grandeur de tout ce qui est de bénédiction, qui est suivi de aucun chagrin. Que Dieu vous bénisse. Dieu élève encore son ministère. Il envoie des brebis vraiment imméritables, des brebis vraiment qu'on ne peut pas compter, que comme les grains du sac de riz là. Que ça soit ainsi pour elle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pas ma femme qui est là. Mais j'ai du mal. Vous voyez, c'est comme j'ai la joie, mais c'est. J'avais dit que vraiment, c'est comme Dieu a été méchant envers moi, mais je commence à comprendre que non. Dieu fait ce qu'il veut. Parce que son serviteur était en train de le glorifier. Mais là, tu ne peux pas faire miracle pour le sauver. Mais il a permis qu'il part. Jusqu'à tous les fidèles m'ont abandonné, tout le monde me prend comme malédiction. Mais Dieu a un plan pour moi. Dieu m'a mis à, il m'a envoyé jusqu'à la table des rois. Donc je lui rends la gloire, l'honneur, je ne suis pas n'importe qui. Il y a des veuves, on est des veuves, mais vraiment, où Dieu même m'a mis là. Je bénis le nom de Dieu. Et vraiment, c'est touche là, vraiment. Je suis parti à les deux minutes aussi là-bas. Pour que la bénédiction de maman soit bénie. Je les ai partagés aussi et je vais les partager pour que nous prions ensemble, pour que Dieu bénisse maman. Pour que le jour qu'elle va venir en Côte d'Ivoire ici là, elle vient même avec, je ne sais pas, la grade de l'Éternel. En fait qu'elle soit gradée, même je ne sais pas si elle va venir même en élu comme terre, est spéciale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon, je m'appelle Tétu Nyamba Soulange. Je suis veuve, 11 ans que je suis avec mes enfants. Une souffrance terrible. Parce que dans la vie, là, une fois que tu perds ton mari, s'il n'avait pas de situation qu'il est mort, il faut dire que tu te retrouves seul et avec Dieu. Partout où tu passes, tu n'as pas de parents. Tes enfants sont tes parents. La situation était très, 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 très difficile pour moi. J'ai commencé à souffrir à Dabou. Et je suis venue avec les enfants. Tout était dur. Mais par la grâce de Dieu, comme Dieu n'a jamais oublié ses enfants, et il a dit dans sa parole qu'il est le mari de la veuve et le père des orphelins, c'est comme ça, une camarade de passage, elle m'a dit, « Ah, Solange, il y a une maman qui vient. » On dit, « Centre Isidio, on n'a qu'à se rendre là-bas à 10 heures. » En tout cas, je vois le centre. Mais je ne sais pas que, par la grâce de Dieu, je pouvais être un jour ici et être heureuse. C'est comme ça que nous sommes venus le samedi à 10h. J'ai été bien reçue par les mamans. D'abord, on nous a donné à manger. Après quoi, on nous a donné de quoi? À se vêtir. Grâce à notre maman, maman Gomme Eugénie, je bénis Dieu pour cette servante. En tout cas, que le Seigneur étend sa main sur sa vie et sur la vie de tous ses collaborateurs. C'est une grâce pour moi et pour mes enfants. Aujourd'hui, on nous a encore donné de quoi à nous habiller. Par la grâce de Dieu, nous prions pour que, ensemble, que Dieu nous donne longue vie et continue l'œuvre de Dieu. Vraiment, c'est une joie. Et vraiment, en tout cas, les mots me manquent. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu et je bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vraiment tout ce que vous allez faire pour nous et pour ce que vous avez commencé. Que Dieu bénisse sa servante. Je m'appelle Odogo Hamato, orpheline de père. Je voulais dire merci à maman Eugénie Gomme qui a pensé à nous. Elle nous a donné de quoi à nous vêtir. Aussi des chaussures. Elle nous a donné on a eu de la nourriture, tout ça. Je voulais lui dire un grand merci. Merci à elle. Non, mais dis vrai. Un mot. Petit. Maman n'a rien à dire. N'a rien à dire. Merci, c'est aussi. Téléphone.
pardon. La remise des dons. La remise des dons. Maman. Maman. Téti Solange. La remise des dons à maman Téti Solange. Et ça, c'est un deuxième jour. C'est la deuxième cérémonie de dons. Dans la même semaine. Dans la même semaine. L'autre s'est passé samedi. Et nous sommes aujourd'hui mercredi. Il y a un peu de tout dans les dons comme vous voyez. La paille, la jupe, la pantalon, pour les enfants, la mariée. C'est une histoire entre mère et fille. C'est la deuxième cérémonie de remise des dons à elle aussi. Dans ces dons, il y a un peu de tout. Je suis très débordé pour la gentillesse de notre petite fille. Que Dieu la bénisse. Même je me suis fourré même dans les autres, même là, vraiment pour aller à l'évangélisation. D'où quand je vais m'habiller pour vraiment aller évangéliser, la gloire reviendra à Dieu, la gloire va être déversée sur vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et la paix de Jésus soit sur votre vie. Les enfants vous disent. Ok. La Bible dit que celui qui se souvient d'un orphelin ne fera jamais une prière que Dieu ne va pas exaucer. Donc, par ce geste, je demande au Tout-Puissant de toujours se souvenir de vous. Même dans les endroits les plus ténébreux, que la lumière de Dieu resplendisse sur vos vies. Parce que celui qui se souvient d'un orphelin, là, Dieu se souvient toujours de lui. Soyez bénis pour tout ce que vous faites pour les orphelins. Le seul papa de la cérémonie, c'est un lot de costumes. Les enfants, vous voulez parler? Vous voulez dire un mot? Ça va. Merci. 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 Je veux dire. Oui. Je veux dire merci. Merci à la maman. Ce qu'elle a fait, mais c'est pas petit, ce que Dieu va faire dans sa vie, ça sera plus grand ce qu'elle a fait que pour moi. Mais je lui ai dit merci, merci. Pour tout ce qu'elle a fait, c'est souvenir de la vie. Mais Dieu voit ça. Dieu va la protéger jusqu'à la fin de ses jours. Dieu, tout ce que Dieu n'a pas encore donné, Dieu va la donner. Ça sera plein. Tout ce esprit de chasseur, tu veux rentrer dans sa maison pour casser, tu détruis sa vie. Que ce esprit tombe, retournant de Jésus. Il te met à
à la pierre de ses pieds. Et tellement Dieu que je ne finis pas. Amen. Merci, merci. Merci, Jean-Marc. Je suis à côté de vous. Et pour. Merci pour la maman qu'elle a parlé. Merci pour la maman qu'elle a parlé de son prochain qu'elle va venir ici. Le sait déjà, on partage les cadeaux. Déjà, on vient prendre les cadeaux. Déjà, que Dieu l'a béni. Que Dieu se souvienne d'elle. Que Dieu l'a donné beaucoup de maisons. Que pour sauver ses enfants. Merci pour la maman qu'elle a prié ce matin. Je veux te dire merci pour ce cadeau qu'on a donné. Merci pour ce cadeau que les gens venaient la surveiller pour la garder. Des gens pour venir la surveiller dans sa maison. Pour venir garder, pour la garder. Tu protèges ses enfants. Tu nous protèges. Tu nous gardes. Mon maman, c'est lui, on s'en va. Toute main qui arrose sera arrosée. Éternel, arrose-la. Éternel, arrose-la. Arrose-la. Au nom de Jésus. Je suis Madame Ezeasson Emma. Vraiment, c'est une grâce et puis c'est un honneur que Dieu nous donne d'avoir cette maman qui a un grand cœur, qui est remplie d'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire ce sacrifice. J'appelle sacrifice parce que elle a abandonné tout à Londres, elle a un ministère, elle a des enfants là-bas. Elle a abandonné tout, elle est venue soutenir les veuves et les orphelins d'Afrique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour la vie de son époux, de ses enfants. Et que Dieu permette qu'elle parte de gloire en gloire, élévation en élévation. Et que véritablement, l'amour de Dieu soit toujours son partage. Je dis encore merci à Dieu pour cette grande dame
au cœur d'or. C'est une servante de Dieu, une véritable servante de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de servantes de Dieu aujourd'hui, mais elle a démontré par les actes. Et je sais que Dieu, en retour, ne va pas la laisser comme ça. Je n'ai rien à dire, mais tout ce que je veux dire, dis merci à maman Eugénie, dis merci à son époux, dis merci aux servantes de Dieu aussi qui ont tout abandonné, qui sont venues, parce qu'elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec deux servantes de Dieu. Ils sont venus, ils ont vu. Et je sais qu'ils iront à Londres parler de ce qu'ils ont vu. Et je bénis le nom de Dieu pour ce merveilleux moment. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. My name is Prophetess Faye, and I came to support the Prophetess Eugenie Engom to do the great work that the Lord has placed in her heart to do, to look after the children, the orphans, and the widows. And I must say that she's done a great job, and as we English would say, mission is accomplished. I really want to thank God for all the support that she's had, the support from people here. When Mommy first told me that she was going to make a trip to the Ivory Coast, it was a joy and a great delight for me to do, to come with her to support. I said, Mommy, I will come with you at short notice, but everything was in the hands of God, and very little effort was made because it was the plan of God for this to take place. We've been here for 2 weeks now, and I'm almost transformed into being an Ivorian. Amen. And the people have been really good, been great. It's a place where I'd want to come again to visit. And the next mission that, whenever the date is set, I will be there to support the woman of God. And just to add that I'd like to thank her husband, my spiritual father, the prophet Francis Engom, who's truly a man of God, who has been there for all of us, even for the support of those that are that live here in the Ivory Coast. We're a very close family, we're a close unit, and as Mommy would have previously said, it's not just for those in Abidjan, but this is where the Lord wanted her to start off, and we will just increase and go to different places, and just for everyone to be blessed, and all the children to feel needed and to feel wanted, and also the orphans as well. I'm very grateful to all the men and the women of God that I've met so far. I love them all. God bless them. And, you know, it's been wonderful. I'd like to just say thank you to Pastor Nebo and his wife, Mommy Pastor Priska. They've been a great help to us, great support, and I thank God for their life, and God bless them. Amen. Moi, c'est l'évangéliste Yvan Aristide Ngom. Je suis le vice-président de l'ONG Jardin d'Edel. Franchement dit, j'ai pas grand mot, mais c'est mon cœur qui a parlé. Cette œuvre-là n'est pas facile, mais elle est louable et noble. On a tous épousé la vision de la prophétesse Eugénie Ngom. Étant serviteur de Dieu, je me suis engagé à fond. Et aujourd'hui, les fruits sont là. Les veuves ont été comblées, les orphelins ont été comblés. Toutes les personnes qui ont participé aux différents dons ont vu vraiment l'amour que cette dame, cette illustre servante de Dieu, leur a démontré. Et je ne peux que dire merci à tous ceux qui ont participé, corps, âme et esprit, et tous ceux qui ont voulu bien faire quelque chose mais qui n'ont pas pu être là. On leur dit que ce sera pour les prochaines éditions, que nous les attendons tous. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et Amen. Bonsoir, moi c'est Priska Nebo, l'épouse du pasteur Serge Nebo. Je tenais à bénir le nom du Seigneur pour la servante de Dieu, maman Eugénie Ngom, bénir la vie de son mari et leur ministère pour l'effort, l'envie, le cœur grand
qui les a poussés à venir à Abidjan. Fais du bien aux veuves, aux orphelins, aux veufs. Que le Dieu qui est père des orphelins et mari des veuves se souvienne d'eux, qui les bénisse au-delà de ce qu'ils espèrent, au-delà de ce qu'ils doivent recevoir, que la grâce et l'abondance tombent sur leur vie. Je suis ravie de faire partie de son entourage. C'est une femme formidable. Elle a un cœur formidable et je suis ravie, très très ravie d'être avec elle. Que la grâce de Dieu tombe sur elle et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Ben, bonsoir, mon nom c'est Marie-Joëlle Abouké. Je veux bénir le nom du Seigneur pour l'œuvre ONG Jardin d'Éden. J'avais entendu parler, mais maintenant mes yeux ont vu. Et je veux rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui a permis que la prophétesse Ngom Egeni puisse aider ses veuves et ses orphelins. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous savons que de nos jours, les gens sont plus ou moins vraiment égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux seuls. Mais c'est le Dieu qui met cela dans le cœur des gens. Et si maman Egeni Ngom est venue, Dieu a mis cela dans son cœur. Et elle a aidé des femmes, elle a aidé des orphelins. Elle a aussi aidé des enfants. Ça fait du bien de voir des enfants qui ont 1 an, 2 ans, mais qui prient avec tout leur cœur. Et c'est vraiment une bénédiction. Je veux lui rendre la gloire et que Dieu bénisse encore l'ONG Jardin d'Éden et qu'il pourvoie encore. Parce que les cadeaux que nous avons vus, honnêtement, j'étais vraiment émerveillée. Parce que nous avons remis les cadeaux le samedi, mais encore aujourd'hui, mercredi, Dieu a pourvu qu'on puisse encore donner encore à des mamans. Et ça fait du bien de voir le sourire aux lèvres, de voir des mamans qui témoignent qu'elles sentent qu'elles ont la paix dans le cœur et qu'elles sont heureuses. Et vous avez vu, vous allez voir dans la vidéo, il y a certaines femmes qui ont pleuré et tout. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Jésus. Et je bénis le nom pour la vie de maman Egeni Ngom, mais aussi pour la vie du prophète Ngom Francis Clément, parce que c'est lui qui a un soutien aussi pour son épouse. Parce que la Bible dit que 2 personnes, si elles ne sont pas convenues, est-ce qu'elles peuvent marcher ensemble? Donc, si la maman, elle a eu la vision, c'est parce que son mari l'a soutenue pour qu'elle puisse amener cette vision-là à bon terme. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis la prophétesse Egeni Ngom. Et je suis la présidente de l'ONG Jardin d'Éden, qui a été créée depuis le 16 janvier 2016. Et nous avons fait une première édition. On a fait des remises de dons ce même 16 janvier 2016. Et vraiment, les gens étaient vraiment bénis. Ils étaient contents. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu a permis encore que nous venions encore. Il a pourvu. Et on a encore fait une deuxième édition le samedi passé. Et ça s'est bien déroulé. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a tout pourvu et toute la gloire lui revienne. Ne faisons pas ça pour se glorifier soi-même, mais c'est pour glorifier le nom du Père. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi vraiment je suis contente parce que je sais que le cœur de Dieu est réjoui. Le but de ces 2 cérémonies, c'est de venir en aide aux veuves et aux veufs. Parce que parfois, quand elles perdent leur mari, elles sont délaissées, elles sont négligées, elles n'ont pas de moyens pour s'occuper des enfants. Donc, le Seigneur vraiment a pourvu pour qu'on puisse leur donner, venir en aide des microfinances pour pouvoir faire leur petit commerce et aussi scolariser leurs enfants. Au moins prendre 20 enfants, les scolariser. Et tout ça, c'est Dieu qui permet et c'est Dieu qui pourvoit. Parce que de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais c'est Dieu qui permet tout ça. De leur donner des vêtements. Parce que parfois, les enfants n'ont pas de vêtements, n'ont pas de chaussures. Donc, c'est de leur donner des vêtements et puis un peu d'argent, la nourriture. Et voilà le but. Et même à la longue, faire un centre pour recueillir nos mamans veuves, les enfants orphelins.
Amen. La nature des dons attribués aux nécessiteux, c'est des habits, de la nourriture, des vivres, un peu d'argent, comment dirais-je, des chaussures, des médicaments. Amen. Et bien d'autres encore, selon comment Dieu va nous inspirer. On est en train de faire tout pour que ça soit plus mieux qu'auparavant. Parce qu'en moins d'un an, nous avons fait deux fois les dons, en janvier et maintenant. Il y aura une troisième édition par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous fait grâce. Si Dieu nous fait grâce que nous sommes là, il y aura une troisième édition. On va s'améliorer encore. Et là, nous avons pu venir en aide quand même, par la grâce de Dieu, une soixantaine de veuves et au moins 57 orphelins. Et nous pensons que, parce que là, les échos sont partis, il y a d'autres même qui sont venus aujourd'hui, nous sommes mercredi, il y a d'autres qui sont venus et on a fait encore des dons. Et je sais que les échos sont partis, l'année prochaine, il y aura encore, la liste sera encore longue. Donc, voilà. Et on compte, et quand c'est comme ça, on les aide. Ça ne s'arrête pas là, mais on les suit. Il y a un suivi. On prend leur numéro, leur adresse. Et il y a une équipe à Abidjan ici qui les suit, qui les rend visite. On essaie encore de leur donner un peu, de les soutenir encore. Donc on les suit spirituellement, financièrement aussi encore. Et quand vous dites qu'il y a l'ONG à Abidjan, la base est où? La base est à Trècheville. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. Et vous n'êtes pas en Afrique? Non, je ne suis pas ici. Je réside à Londres, mais de temps en temps, je viendrai pour suivre. Mais sinon, j'ai une équipe formidable ici. En tout cas, vraiment, ils sont vraiment super. Ils font ça avec leur cœur. Je suis là-bas, mais ils ont vraiment fait le travail, ce que Dieu a demandé. Donc, je les bénis. Et je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Parce qu'ils font ça avec passion, avec leur cœur. Ils sont au four au moulin. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnique. Non, vous rendez c'est ouvert à toute religion, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de barrage. Tout le monde peut venir prendre les dons et tout ça. Qu'on soit musulman, chrétien et tout. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous venons du même Père, donc c'est ouvert à tout le monde. Pour le moment, c'est à Abidjan. Nous espérons un jour l'intérieur du pays. Oui, on a envisagé ça, mais pour le moment, on va se concentrer sur pour Abidjan. Et puis à la longue, selon comment Dieu va bénir, on va voir comment on peut localiser à l'intérieur du pays. Mais pour le moment, on est à Abidjan. Et on va vraiment mettre d'effort, l'accent sur Abidjan. Et ça peut, l'année prochaine, ça peut être à Bassam, pourquoi pas. Ou bien encore à Trècheville, ça dépendra. Donc on a focalisé ça sur les nécessiteux, parce qu'il y a des orphelins, des veuves qui n'ont personne, ils sont là, on ne les regarde pas, ils sont marginalisés et tout ça, il n'y a personne. Les orphelinats, c'est vrai, mais eux, ils sont soutenus. Les orphelins sont soutenus, ils ont des budgets et tout. Mais il y a des orphelins et des veuves qui ne sont pas soutenus, ils n'ont personne. Nous, c'est ceux-là qu'on cherche et on suit. Alors, je voulais savoir pourquoi une ONG uniquement pour les veuves et les orphelins? Qu'est-ce qui vous a inspiré uniquement pour les veuves et les orphelins? Parce que la Bible même nous demande d'aider les veuves et les orphelins. C'est ce que la Bible dit, nous demande, c'est biblique. Et de deux, le Seigneur m'a dit, mis à cœur, il m'a dit, il m'a parlé, il m'a dit, fais cela. Il a été clair, il a dit, occupe-toi des veuves et des orphelins. C'est ce qu'il m'a dit. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai entendu et j'ai eu foi en ce que j'ai entendu parce que ça venait de Dieu et je me suis mis dedans. Si je n'avais pas entendu, je n'aurais pas fait. Mais comme j'ai entendu, Dieu m'a dit, fais-le, je l'ai fait. Voilà, parce qu'on ne se lève pas de soi-même pour faire quelque chose. C'est Dieu qui donne la vision et la provision. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a dit de faire, j'ai fait. Pour le moment, l'ONG se déroule sous
fonds propres, avec nos propres moyens, il n'y a pas encore d'aide. Le peu de moyens que Dieu fait grâce que nous avions, nous mettions ça dedans. Mais je lance un appel aux gens qui peuvent bien vraiment nous aider, aux sociétés, de venir vraiment nous aider à faire avancer ce projet. Il y a quelques personnes aussi, des frères, des sœurs, qui m'ont vraiment soutenu aussi quand je venais. D'autres qui ont été touchés par le Seigneur, qui m'ont donné des dons pour venir. Donc je lance vraiment un appel. Vous qui me regardez, vraiment faites parler votre cœur, ne restez pas insensible. Vous pouvez donner quelque chose. C'est une semence. Ne vous dites pas que c'est petit. Nous, on est ouverts. Tout ce que vous donnez, on va prendre. Et ça va faire sourire un enfant, une veuve, un orphelin. Et tu seras béni. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, la Bible dit que tout est noté au ciel. Donc, si tu donnes, si tu ne vas pas donner en vain. Tu ne vas pas s'aimer en vain. Tu vas s'aimer et Dieu va te bénir. Donc, ne reste pas insensible. Fais parler ton cœur. Que Dieu te bénisse. Pour tout don, vous allez voir des numéros affichés sur l'écran, que ce soit à Londres, que ce soit à Abidjan. Vous allez voir cela s'afficher. Et vous pouvez nous contacter. Nous sommes prêts à vous écouter, à vous recevoir. En tout cas, je sais que vous avez un grand cœur et je sais que vous aimez votre prochain. C'est une recommandation divine. Vraiment, j'insiste, c'est pour pouvoir aider son prochain. Vraiment, je voudrais remercier quelqu'un. Je voudrais remercier mon mari qui m'a vraiment soutenu, qui a fait beaucoup pour moi dans cette vision. Il m'a soutenu, il m'a encouragé dans les hauts et les bas. C'est lui qui me relevait. Lorsque je baissais les bras, il m'encourageait. Je voudrais vraiment lui dire merci parce que vraiment, il a un grand cœur. Il m'a soutenu financièrement, spirituellement, dans la prière. Vraiment, que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu qui est mon mari, le prophète Ngom Francis Clément. Et les numéros qui vont s'afficher en bas, que ce soit à Londres, les numéros de Londres, les numéros d'Abidjan, vous pouvez nous contacter à ces numéros-là. Nous sommes ouverts. Faites vraiment parler votre cœur parce que Dieu vous bénira. Quand tu t'occupes de ton prochain, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Donc, soyez vraiment bénis. Au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis le nom du Seigneur et que vraiment sa gloire et sa grâce surabondent encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. La complique la mission. Notre caméraman qui nous est soulagé. On a tout fait, on a fait. Hein? Si on a eu demain, là, tout yes. 2017. La prochaine édition. La prochaine édition, je vous invite massivement. Venez. Venez, on va œuvrer pour Dieu. Amen. Ah, y